vais commencer dans mon intervention par présenter un aperçu historique sur la société, puis j'enchaînerai par la présentation de nos axes stratégiques et nos axes de développement. La société Office Blast a été créée en 2006. L'idée de départ était simple. Nous avions un contact avec un industriel français qui avait des marchés de produits scolaires en France et qui cherchait des partenaires. Ainsi, nous avons créé la société qui était à l'origine une usine de fabrication des protège-taillés. Son processus de fabrication principal est la soudure haute fréquence. Le coût de l'investissement initial était 1,2 million de dinars. Malgré le modeste démarrage de notre projet, nous avons pu réaliser d'importantes performances tant au niveau de la rentabilité qu'au niveau du développement. En effet, la société a commencé par réaliser un chiffre d'affaires de 2 millions de dinars en 2007 pour atteindre un volume d'activité de 10 millions de dinars en 2014. Soit 5 fois le volume initial. Actuellement, la société emploie plus que 240 salariés en 2015 et en 2014, nous étions à 190. Notre carnet de commandes dénombre 260 clients, alors qu'au départ, on avait presque un seul client. Je commence par présenter la politique de la société. Qui est à l'origine de ce développement. Cette évolution était le fruit d'une politique basée principalement sur trois axes. La diversification horizontale, l'intégration verticale et le ciblage du marché étranger. Au niveau de la diversification horizontale, nous nous sommes penchés sur trois volets. Le premier, la diversification des produits. Notre produit phare était au départ des protège-taillés, qui représentaient plus que 90% de notre volume d'activité. Et maintenant, nous fabriquons plus que 10 familles de produits. Je cite à titre d'exemple les porte-documents, les classeurs et colis bureautiques, les boîtes d'archives, les chemises et bien d'autres familles. Nous vendons actuellement plus que 3000 références sur les marchés. Le deuxième point, c'est la diversification des clients. Comme je l'ai dit, nous vendons maintenant à plus que 260 clients, alors que nous étions en 2007 avec un seul client français qui représentait 80% de notre chiffre d'affaires. Actuellement, nos clients sont répartis sur plusieurs secteurs, les GMS, les grossistes, les grandes entreprises, les moyennes surfaces et les industriels. Les trois clients les plus importants sont des clients français. Deux grands fournituristes de bureaux en France, les plus grands d'ailleurs, Papeterie Pichon et Majuscule, et une grande surface, Auchan France, qui travaille avec nous depuis 2011. Il est à noter que nous avons su assurer la fidélité de nos clients. Presque tous nos clients ont continué à travailler avec nous dès la première commande. Par exemple, Papeterie Pichon travaille avec nous depuis la création de la société jusqu'à aujourd'hui et tous les ans, il enregistre une croissance du volume d'activité. Auchan, par exemple, c'est sa cinquième année de travail avec nous et il a même renouvelé ses commandes pour l'année 2016. Le troisième point dans cet axe stratégique, c'est la diversification des pays cibles. Nous avons travaillé sur la diversification des pays et nous écoulons nos produits dans plus que 10 pays, à savoir 3 en Europe, la France, la Belgique et l'Italie, sur le Nord-Afrique, Maroc, Algérie, bien sûr Tunisie, et sur d'autres pays africains, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, les pays d'antan, le deuxième axe stratégique qui est d'une importance cruciale, c'est l'intégration verticale. Cela implique la fabrication des matières premières.
depuis la création de la société, on importait des films PVC, principalement des films PVC, des plaques en polypropylène et du carton. Nous importons plus que 1200 tonnes par an. C'est pratiquement de l'importation. Cela alourdit la gestion, allonge les délais de livraison et bien sûr, ça ne nous permet pas de mieux maîtriser nos coûts et nos prix. Donc, nous avons mis en œuvre cette politique en commençant déjà dans notre dernier plan d'investissement par fabriquer une partie des matières premières, principalement les plaques et le film polypropylène. Et à partir de l'année 2016, on va commencer à fabriquer le film PVC. Ces actions vont nous permettre de mieux maîtriser nos coûts et nos prix, de mieux maîtriser les délais de livraison et la qualité de nos produits. Le troisième axe stratégique, qui est également d'une grande importance, le ciblage du marché étranger. Nous avons dès le départ axé nos actions commerciales sur l'export. D'ailleurs, le démarrage de la société a commencé par des clients étrangers. Et nous n'avons pas cessé de consolider cette démarche. Et ça nous a permis, bien sûr, d'être en continuelle amélioration. Et nous allons continuer à suivre cette piste. Le proverbe dit qui peut le plus, peut le moins. Le marché étranger, c'est un marché très concurrentiel en termes de prix, en termes de délai de livraison, en termes de qualité. Et chaque nouveau client, il nous apporte plus qu'il en prend. Il nous apporte de nouvelles exigences en termes de prix, en termes de délai, en termes de qualité. Et ça nous permet d'être toujours sur la piste et sur le chemin d'amélioration. L'export nous engage dans une durable action d'amélioration des coûts, des délais, de la qualité. Avec l'export, on ne parle pas de saturation du marché. Il y a toujours des marchés à conquérir et des croissances à réaliser. Et ça, c'est le facteur le plus important qui nous pousse à continuer à évoluer et à penser à des investissements et à des développements. Quant aux investissements réalisés, pour accompagner sa croissance, la société a alloué des enveloppes d'investissement importantes depuis sa création. En dehors du marché de l'investissement initial, on a réalisé des investissements de l'ordre de 4 millions de dinars. Ces investissements ont permis à la société de renforcer son parc industriel afin d'être plus compétitive en termes de qualité et de prix. Le plus récent investissement a été réalisé dans le cadre du premier plan de mise à niveau et a été mis en œuvre en 2014. Ça nous a coûté 3,3 millions de dinars. Ces investissements ont été assurés, certes, par les ressources propres de la société, mais aussi avec le support de ATD SICA, qui a financé ce projet par une augmentation de capital d'un montant de 1,5 million. En plus de son soutien financier, avec sa présence au capital, ATD SICA nous a remarquablement soutenus au niveau de l'administration et au niveau des réflexions stratégiques dans le cadre de sa présence au niveau du conseil d'administration. Je vais passer maintenant au dernier sujet, les perspectives. Aujourd'hui, de nouvelles perspectives de croissance s'offrent à la société afin qu'elle soit plus compétitive tant sur le plan local qu'à l'étranger. C'est pour cette raison que la société a décidé d'ouvrir son capital au public afin de renforcer ses fonds propres dans le but de réaliser son deuxième plan d'investissement pour répondre au mieux aux exigences de son secteur. La mise en place de ce plan d'investissement nous permettra de réaliser un business plan traduisant notre détermination à aller toujours vers l'avant et à consolider notre démarche de développement. Nous invitons les investisseurs à souscrire à cette offre et nous présentons notre engagement à réaliser pleinement le business plan présenté, offrir une bonne rémunération à nos actionnaires pour mériter leur confiance et leur fidélité. Je vous remercie pour votre attention.